Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Aujourd'hui, une pièce très spéciale pour moi. Si vous connaissez le personnage, ben vous savez que dans ma collection, les pièces, elles ont toutes leur petite histoire. Celle-ci risque bien d'en avoir une très particulière chère à mon cœur, puisque figurez-vous que c'est une pièce offerte par mes enfants à l'occasion de mon anniversaire. Donc je vais vous présenter tout de suite le beau cadeau. Le petit bijou, c'est une pièce tirée de l'univers Walt Disney, d'un personnage de Walt Disney, du personnage sans aucune discussion possible le plus célèbre justement des studios Disney, puisqu'il s'agit de Mickey Mouse et plus particulièrement de sa toute première apparition lors du dessin animé Steamboat Willie. Donc vous voyez ici la boîte du personnage, donc une pièce de chez Best Kingdom. Steamboat Willie, Mastercraft Mickey, Steamboat Willie MC053. Donc, elle fait, il y a le poids dans celle-ci, je pense. Ouais, il y a toutes les coordonnées. Je pense qu'elle fait avec son socle 8,7 kg, plus de 50 cm de haut. Donc, vous imaginez la bête. Vous n'allez pas seulement vous l'imaginer. Vous allez la voir tout de suite avec Andrés qui va venir me rejoindre. Mais avant ça, rendre hommage à cette très belle pièce à travers un petit bout peut-être du dessin animé de Steamboat Willie. À tout de suite. Salut Andrés. Hello tout le monde. Super content de faire cette vidéo, de rendre hommage à ce super cadeau de mes enfants, j'insiste, qui m'a vraiment beaucoup touché. Hein. Et en plus de ça, la pièce, franchement, moi je la trouve géniale. Vous en aviez déjà vu de la même collection, hein, puisque c'est plutôt Andrés qui est fan du constructeur, du fabricant. Du fabricant, oui. Tu nous avais déjà présenté, si mes souvenirs sont bons, la petite sirène, c'est oui, possible? Oui, c'est la petite sirène l'année passée, juste avant les vacances, en fait. Et tu t'en es fait une autre aussi. Qui va bientôt être aussi présentée dans la chaîne, mais on va vous présenter celle-là d'abord. Ouais, on va présenter d'abord celle-ci. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu venir du tout, j'insiste, c'est Andrés qui était plutôt fan du fabricant, mais en regardant le catalogue, franchement, il y en a des très bien. Voilà, et encore, moi, je l'avais jamais vu, jusqu'à ce que tu m'en commences à en parler. Sinon, je ne l'avais pas encore croisé ni vu sur Internet. Enfin, j'ai zappé, comme on dit, celle-là. Il y en a beaucoup. Hein. Allez, tu passes de la petite sirène, comme tu as dit, à Réponse, Aladdin. Très belle aussi, le Roi Lion. Monstre et compagnie. Monstre et compagnie. Mes préférés à moi, Woody et Buzz l'éclair. Ah ouais, aussi. Ils y sont. Donc, on vous met des images. Ouais, quelques images à côté, si vous voulez. Mais voilà, celle-ci, moi, personnellement, je ne la connaissais pas. Donc, on va déjà présenter la pièce avec le socle. Elle fait, on avait ici toutes les coordonnées. Hein. 8 kilos. Donc, 8 kilos. La taille, elle fait, c'est 50 cm, un demi-mètre, full résine. Il n'y a pas une seule partie de cette pièce qui soit en plastique, peut-être la plaque, tiens. Et encore. C'est collé, quoi, donc. Tout est full résine. Ouais, forcément, noir et blanc. Hommage direct au film d'animation, hein. Court-métrage, ou je sais plus si c'est un court-métrage ou film d'animation. Oui, c'est la première apparition, peut-être qu'on... Mais bon, moi j'ai toujours entendu que la première apparition de Mickey Mouse... Officielle. Était sur Steamboat Willie. Elle vient avec son certificat d'authenticité. Assez chouette, hein, tu vois. Ils font du bon travail. Voilà, c'est assez qualitatif. Une pièce tirée... 3000 exemplaires. 3000 exemplaires.
celle-ci portant le numéro 1220, un tirage assez important. Mais bon, c'est chouette, il faut essayer de faire plaisir à tout le monde. Surtout sur cet univers-là, Disney, ouais. Il y a beaucoup de fans, quoi. Donc, un peu, j'ai envie de dire, assez classe, puisqu'elle vient même avec une... C'est la première fois, moi, perso, que je reçois ça. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Une petite éponge magique pour nettoyer les parties blanches de la pièce, au cas où il y aurait une petite tache... Dans le transport, même. Ouais, dans le transport, ou même ici, avec le temps. Oui, hein. Ouais. Donc, je te propose, Andrés, de lui faire ton petit montage habituel, prends du plaisir, en y ajoutant, bien sûr, la musique que j'adore. Ça me rappelle directement mes petites promenades sur Main Street au parc Disneyland. Franchement, je pense que ça va être un pur moment de plaisir pour tout le monde que de voir cette pièce tourner au rythme de la musique. Et on se retrouve juste derrière pour donner les points forts et les points faibles de la pièce. On vous en dira. On verra si on en trouve. À tout de suite. We'll be right back.
Ok, ben on a fait un bond dans le temps en même temps. Bon, ben Andrés, permettez-moi et permets-moi de te dire, de donner le premier point fort de cette pièce. Il est offert par mes enfants, je l'ai déjà dit 4 fois. Ouais, c'est ma pièce, bon voilà. Mais c'est surtout offert par les gamins, donc elle prend une place pour moi automatiquement très importante dans ma collection en général et dans mon cœur en particulier. Mais en se concentrant sur la pièce elle-même, c'est génial pour les 100 ans d'avoir imaginé, les 100 ans du studio Disney, d'avoir imaginé, de réaliser cette pièce. Sa taille, l'échelle. Rien à dire. Si on compare ça à une statue d'un humain, on dirait du 1/4, 50 centimètres. À l'échelle humaine, quoi, c'est 1/4. C'est magnifique. Quoi. Il est hyper grand. Quoi. Et les détails, je sais pas si tu vois, mais il y a aucune bavure. Maintenant, tu me diras, tu vas chercher, mais moi, à chaque fois que j'ai ce genre de pièce et je la vois de haut en bas, il y a aucune bavure, quoi. J'aime beaucoup les jeux de peinture. Les jeux de peinture. Toi, l'ombrage. Le bois, le socle qui est effet bois et que tu remarques bien. La texture, en fait, voilà. Magnifique. Pour moi, il n'y a pas de défaut. Ils auraient pu se contenter simplement de le faire en noir et blanc et ne pas insister, mais il y a quand même un chouette travail parce que le dessin est très simple. Il y a un effet d'ombrage. Les ombrages ici dans les chaussures, superbes. Sur la barre aussi. Également génial, la taille formidable, le montage, ça c'est peut-être on y revient après. Mais la plaque commémorative, comme tu aimes t'adores. Moi aussi j'adore. Ouais. C'est génial déjà l'avoir mis sur la statue en elle-même. Ouais, franchement, magnifique. Rien à dire. Il ne manque absolument rien à cette pièce. Je sais que toi tu adores les light-up. Mais là tu en rajoutes un aussi. Ici c'est ce que j'ai fait. Vous verrez en fin de vidéo. J'avance. Je l'ai déjà mis en valeur, vous allez le voir. Sinon tout est génial, hein, les détails de la pièce, tu vois, hein, les clous donc sur le plancher, génial. Non, franchement, niveau point positif, je pense que Point de vue conception, réalisation et qualité, rien à dire. Aussi en point positif que elle vient pas vraiment en deux parties, puisqu'il y a Mini qui est fait également. Vous avez à côté ici, elle est très très belle. Par contre, elle, je l'ai vue. Ah, tu l'as vue. Je l'ai rencontrée. Et alors, ça donne quoi en live? Tout aussi belle que celle-là. Mais moi, je ne savais pas que celle-là était... Je trouve, moi, maintenant, c'est parce que le personnage... tu connais, petite parenthèse d'Andrés, j'ai connu ce personnage-là dans la version jeu PlayStation. On en parlait justement tu passes du noir et blanc, je l'ai connu là. Ouais. Et en fait, moi, c'est ça que je me rappelle. Moi, j'ai pas souvenir de voir Mini dans cette version-là, tu vois. Ouais. Je me rappelais juste de lui. Donc, quand je l'ai vu, ça faisait moins le taf, mais bon, voilà, ça fait le duo, quoi. Si vous aimez beaucoup, beaucoup la licence Disney. Mais c'est Mickey qui prend toute la place. C'est clair et net. Il n'y a rien à dire. C'est ça que j'essaie de dire. Maintenant, si vous êtes, comme dit Andrés, fan, vous réunissez le couple, quoi. Voilà, mais sinon, pour moi, c'est Mickey qui... Voilà, ça, c'est sa statue à lui. C'est vrai que... Plus rien à dire. Niveau... Que du plaisir, que du bonheur. On va passer peut-être au point faible de la pièce, si t'en vois, Andrés. Fais-moi un signe. Je t'ai dit, moi, j'ai aucun point faible. Cette marque, je sais que, point de vue tirage et financier, c'est tout à fait abordable. Oui. C'est vrai ce que tu dis, parce que là, du coup, on cherche un point faible, mais je rajoute un point fort. Évidemment, c'est un cadeau, c'est pas moi qui l'ai payé, mais je sais, et on l'a déjà dit très souvent sur la chaîne, le monde de Disney fait de très, très, très belles pièces. Oui. Et souvent, très très bon marché. Et là, du coup, Mastercraft, Magic Kingdom, j'espère qu'un jour, ils vont toucher à d'autres plus grands, univers, dont l'Atlantide. Moi, j'adore. D'autres dessins animés. La planète au trésor. C'est clair. Et j'en passe, quoi. Ton dessin animé à toi préféré, Bernard et Bianca, Merlin l'Enchanteur. Ça serait génial, quoi. Ça serait génial d'avoir une. C'est vrai qu'ils font les choses très bien. Ils voient les choses en grand. Ils prennent le temps. Ouais. Mais ils ne sont pas abusifs dans les prix. Ça continue.
ça continue à être totalement abordable. Et comme je dis, le fait que le tirage soit assez grand permet à nous, en tant que petits collectionneurs, d'acquérir une ou deux pièces de temps à autre de cette magnitude-là. Ouais, parce que on est au moins à la moitié du prix qu'on paierait pour une statue à un quart de chez Bleedsway pour ou Sideshow ou Sideshow quoi. Et même, maintenant, et j'ai même envie de te dire même un tiers, hein, parce que quand on quand on voit les prix ici, on est entre les 200, 300 et des euros, je suppose. Il y en a, si tu donc si tu cherches bien, tu peux le trouver à moins de 200 euros en effet. Mais pour des pièces un quart d'autres fabricants et avec cette cette qualité là. Ouais, parce que franchement, ils ne se sont pas contentés, je peux vous l'assurer, ils ne se sont pas contentés de faire apparaître cette non, c'est vraiment c'est de la résine, c'est lourd, c'est pas un jouet de loin comme ça, je ne sais pas vraiment ce qu'elle va donner en caméra, mais de loin au premier abord quand on la voit, on se dit ouais, bon ben ici c'est du vinyle ou quoi. Ouais, du vinyle non, un non, peu. C'est tellement bien peint, c'est vraiment bien travaillé, je vois ici encore hein. Ouais, les textures du bois quoi, tout le bois, c'est vraiment magnifique, mais on en était justement au point faible, mais on continue à donner des points forts. Point faible de la pièce, moi j'en ai déjà un. Évidemment, Sandrès ne sait pas le savoir. On le garde pour la prochaine. C'est peut-être une maladie justement du fabricant Best Kingdom. Oui, parce que Le montage, j'ai rigolé, quoi. Le montage, j'ai rigolé, elle vient en plusieurs pièces. Et donc, toi qui es un expert en Best Kingdom, bon, ben, tu as la tête, c'est une pièce, la queue en est une autre. Et c'est surtout le mât, quoi. Le mât, il vient en trois parties. Oui, voilà. Ils ont une vidéo à côté. Alors, cette partie-ci doit rentrer dans cette main-là et aller s'enfoncer dans celle-ci. OK? Même chose pour celui-ci, il doit rentrer dans cette main et s'enfoncer là-dedans. C'est surtout celle-ci, quoi. Une pièce qui transperce la main et tu dois continuer à pousser pour qu'elle rentre dans le mât. Ça se joue à 1 mm. Oui. Si la main est trop haute, trop basse, on commence à forcer et on sait ce qui peut se passer. Donc, je peux vous assurer que j'avais des gouttes comme ça. Et donc, voilà, finalement, ça s'est bien passé. Il y a juste la queue qui est super facile à mettre. Oui, mais non, attention. Ouais, bah, je vais pas trop chipoter. C'est ce que j'allais dire. Attention. J'ai le même souci, entre guillemets, un souci avec Polochon. Enfin, vous avez vu avec la petite sirène. Ouais. Il le met sur la main. Ouais. Il est un peu bancal, un peu. Mais c'est pas non plus qu'il est, non, c'est juste un chouïa, quoi. Mais c'est vraiment à monter et à exploser. Et à exploser. C'est terminé. Et tu commences pas à chipoter dessus. Sinon, franchement, à part ça, moi, je ne vois rien d'autre. Juste le montage un peu. Ouais, le montage. Voilà. Vous allez savoir après. Et il semblerait, puisqu'Andrés a déjà deux pièces. La première, il a bavé. Enfin, la première. La deuxième, elle a explosé en mille morceaux dans les mains du revendeur, quoi. Du vendeur. Attention, donc, à tenir à l'œil pour les prochaines pièces, parce qu'à n'en pas douter, moi, personnellement, j'ai vraiment envie de replonger sur ce fabricant parce qu'ils font les choses très bien, ils rendent hommage à un cinéma qui me plaît énormément et en plus de ça, un qualité-prix exceptionnel. Maintenant, évidemment, c'est le catalogue. J'attends qu'il touche mon cinéma style Lao, même si j'ai une superbe pièce de Lao, style Ratatouille. J'ai beaucoup aimé Ratatouille, mais il n'y a pas vraiment de pièces. Mais les vieux classiques, Merlin l'Enchanteur. Ça serait génial. Ouais. Bernard et Bianca, j'en ai déjà une très belle de Bernard et Bianca, mais surtout, franchement, je replongerais franchement si il me sortirait une très belle pièce en hommage à Ratatouille ou à Merlin l'Enchanteur, bien entendu. Ça serait vraiment magnifique. Beau socle avec la neige, moustique. Et la fameuse épée dans son socle, ça serait vraiment très beau. Ouais, il pourrait le faire en deux parties. Ils ont le choix. Et pour le moment, ben, elle défile parce que on en parlait là tantôt. Hein. On a déjà vu Alice au pays des merveilles, Pinocchio, Blanche-Neige. Qui encore Dumbo, Tic et Tac. Tu me dis Toy Story aussi. Toy Story, oui. Monstres et compagnie, tes enfants m'ont dit. Ils ont les licences officielles pour pouvoir se faire plaisir. Donc, à eux à bien réfléchir qu'est-ce qui pourrait plaire à nous, le consommateur, quoi. Ouais.
Donc voilà, je pense qu'on a quasiment tout dit hein, sur la pièce. Que du bonheur, que du plaisir. Une pièce qualité-prix. On vous laisse de toute façon en dessous de la vidéo, dans le descriptif, toutes les coordonnées. Ouais, les liens si on vous trouve. Une taille pareille, travaillée comme ça et qui représente ce qu'elle représente. Si vous aimez l'univers de Walt Disney, vous devez vous l'offrir parce que elle est superbe et... tout en étant très grande, tu vas voir qu'elle prend finalement pas trop de place. Non, ça va. Ouais. Ça va. Si t'as un coin, comme j'ai dit, si t'as un coin Disney dans ta collection. Le périmètre de la pièce reste malgré tout assez jouable pour. Enfin, ça dépend pour lesquels. Ouais, pour les. Ouais, bon, mais bon, franchement, déjà moi, c'était limite, mais bon, là, je lui ai trouvé un beau coin. Et d'ailleurs, on va conclure cette vidéo en vous l'amenant là-bas et Andrés. Prendra les photos ou terminera la vidéo. La dernière image, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rien d'autre à ajouter, Andrés ? Que du bonheur. Bravo. Merci les enfants. Très belle pièce. Merci les enfants. C'est clair, ça me touche énormément. Et en plus de ça, ça me fait super plaisir parce que j'insiste à chaque fois. Elle représente ce qu'elle représente. Les débuts de la petite souris dans le monde du cinéma et nous qui aimons le cinéma, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Tout ce que ça a entraîné derrière. Voilà, c'est tout pour cette superbe vidéo. Moi personnellement, je la trouve déjà superbe, géniale. Donc likez si vous avez aimé cette vidéo, 2 likes si vous avez également aimé la statue, j'en suis sûr. Que ça a dû vous plaire, j'en suis persuadé. Laissez-nous comme d'habitude vos petits commentaires, je suis impatient de vous lire et continuez à nous rejoindre. On s'approche des 1100. C'est chouette, on est de plus en plus nombreux, ça nous donne envie d'en faire beaucoup plus. À propos d'en faire beaucoup plus, on revient avec on reviendra encore 2 fois sur cette rubrique du Living Room. D'habitude, on n'en met que 2. Cette fois-ci, il y en aura 3. Un Living Room spécial Freddy Krueger, où on vous présentera la superbe pièce d'Andrés et mon... buste signé. Customisé, on va dire. Ouais, plutôt ça. C'est même plus signé, il est customisé, ouais. Et la prochaine, donc juste après celle-ci, la prochaine à venir dans le Living Room, c'est toujours un cadeau. Non, plus de mes enfants, ils ont déjà cassé la tirelire. Ici, de mon ami à côté, une vidéo et une statue très spéciale. Vidéo très spéciale parce qu'on ne va pour une fois pas vraiment parler cinéma, bien que on vous en dit pas plus. Et on vous donne rendez-vous très prochainement dans une semaine, 10 jours. Ouais, on verra bien. On verra bien. Le temps de l'intercaler. Voilà, salut, ça. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.
Thank you.